à toute la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardaient Belinda Benz TV. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Si ça ne va pas, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça ira. Le matin, ça ne va pas. Le soir, ça ira. Gardons l'espoir, car Dieu nous fait grâce tous les temps, tous les jours. Le sacro à ma belle-sœur, Marthe Bainge. Il y a Marthe Bainge, il y a mon thème, il y a papa Simon Gim. Il y a Marthe Bainge, mon thème, il y a papa Simon Gim, bien à Lyon, je vous dis le sacro, sans oublier ma belle Myriam Bainge. Il y a papa Sefon. Nakine, ma belle-sœur Myriam Bainge, je te dis le sacro, ma belle. Le sacro à Betty Liampé. Je te dis le sacro à toi, ma belle, à tous ceux qui soutiennent Belinda Benz TV, à tous ceux qui sont là pour soutenir la famille Belinda Benz TV, je vous dis un grand le sacro et merci à toute la famille, à tous les nouveaux qui viennent de s'intégrer dans la famille Belinda Benz TV, un grand merci, un grand le sacro. Nous sommes là dans notre rubrique des histoires, des réalités de la vie, des conseils, des analyses. Aujourd'hui, nous allons parler de... notre titre, c'est « Le cœur d'une femme ». Mon thème est à moi, c'est « Le cœur d'une femme ». Pourquoi « Le cœur d'une femme » ? Pourquoi mon thème est à moi, c'est « Mon thème est à moi, c'est « Et Sali Nini ». Nous allons tout de suite écouter cette histoire français lingalisée. On va partir comme ça. Nous allons parler de Léa. Léa, une jeune fille grandie en Europe, née grandie en Europe. Elle a fait ses études, elle travaille. Elle s'est croisée avec un jeune homme, un tonton congolais. Ils vivaient ensemble. Après quelques temps, Léa est tombée enceinte. Léa a ses parents ici en Europe. Elle est tombée enceinte. Elle a dit à ses parents, là, je vis avec un garçon, avec un tonton. Mais le tonton, il n'est pas encore prêt, mais on s'aime. Je suis enceinte. Elle est partie vivre avec son copain. Au début, c'était un peu compliqué dans la famille. Après, les choses, ça s'est passé comme ça. Léa a eu un enfant. Après un an, deuxième enfant. La troisième année, Léa a repris son travail. Les tontons travaillaient déjà, comme j'avais dit tout à l'heure. Mais ils vivaient dans l'harmonie, dans l'ambiance. Vraiment, tout s'est passé bien, très bien. Il n'est resté que le projet de mariage pour honorer leur couple, pour que leur couple soit béni. Devant le parent, devant Dieu, comme tous les parents rêvent. Mais à part ça, vraiment, ils étaient dans l'harmonie, dans l'ambiance. Les tontons congolais s'occupaient très, très bien de Léa. Léa était vraiment une femme heureuse. Très heureuse avec ses deux enfants de 2 ans et 1 an. Alors, les tontons avaient expliqué à Léa, « Léa, toi, tu as toute ta famille ici en Europe. Moi, je n'ai plus mes parents au Congo, mais j'ai mes deux grandes sœurs qui sont déjà mariées. Baya nanga ya basimi balé, naza la bango, la tika na bango, loko la bamama nanga. Bakoli baza la mabala. J'ai aussi une cousine qu'on a grandi ensemble depuis que mes parents étaient là. Cette cousine-là, je l'aime beaucoup. Il y a mes grandes sœurs qui s'occupent d'elle. Et moi aussi, de temps en temps, vraiment, je m'occupe bien de cette cousine-là. Je l'aime beaucoup. Léa dit, il n'y a pas de souci. Tu as une cousine, tu as deux grandes sœurs que malgré on ne parle pas, je vois comment vous parlez. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, les tontons et Léa vivaient comme ça. À chaque fois, ils faisaient tout, des cadeaux, ils s'occupaient bien de ses enfants. Les enfants partaient à la crèche puisque Léa avait repris son travail. Vraiment, ils vivaient dans l'harmonie, l'ambiance. Vous ne pouvez pas imaginer. Léa,
comme la technologie évolue, nous savons tous, Léa a son compte Facebook, le tonton aussi a son compte Facebook. À chaque fois, même si Léa est là, les tontons parlent avec la cousine beaucoup. Ah, ma chérie, oui, tout va bien, ma chérie. Léa ne calculait pas. Elle ne calculait pas, elle avait accepté et ça se passait comme ça. Alors Léa, comme je dis tout à l'heure, elle a son compte Facebook. Tonton aussi, il avait son compte Facebook. Léa avait l'habitude de consulter son compte sur son portable, mais les papas, les tontons utilisaient l'ordinateur. Hier soir, ils étaient ensemble, tout. Le tonton était sur l'ordinateur, il est parti se laver. À qui moi, que je dois le col à mon longue et à ma caisse, à ce que moi, mon quai. Léa, son téléphone était déchargé, elle a dit bon, je vais utiliser l'ordinateur. Elle a pris l'ordinateur. Assim ordinateur, bon, elle a fait un ordinateur, à coûter dans ma solo, ma bête. Léa a pris l'ordinateur pour consulter son compte Facebook. Et là, elle voit le compte de son mari était ouvert. Le mari avait oublié de fermer son compte Facebook. Elle était curieuse. Elle a dit, ah, je ne sais pas si son mari n'a pas raté. Je ne sais pas si mon mari n'a pas raté. Ce qui est dans la famille, mon copain. Et là, elle voit des conversations, des photos de la cousine de son mari. Des conversations bizarres, bizarres, bizarres. Léa se dit en bon, mais c'est la cousine de mon mari. C'est la meilleure cousine. Mais comment ils peuvent avoir des conversations bizarres, sales, comme ça, dégueulasses? Ce n'est pas possible. Elle a vu le numéro, elle a vu toutes les photos, elle a vu des photos, mais tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a vu, elle a lu, et d'un coup, elle a vu son mari, elle a senti que son mari avait fini de prendre sa douche. Elle a tout de suite, elle s'est déconnectée et elle s'est mise sur sa page Facebook. Le mari, quand il est sorti vite, « Mais Léa, pourquoi tu n'as pas utilisé ton portable ?»« Oh, c'est le portable, non, c'est l'ordinateur. »« Léa s'est dit non. » Il n'y a rien, mon portable est déchargé. Juste, c'est pour ça que c'est l'ordinateur. Oh non, chargez portable, non, s'il te plaît. Tu charges ton portable, puisque là, moi, je n'ai pas encore fini. J'avais chaud, mais là, je n'ai pas encore fini. Mais le mari n'était pas à l'aise. Léa avait compris pourquoi son chéri, son mari n'était pas à l'aise. Léa a fait semblant, c'est comme si elle n'avait rien vu. Elle a laissé des choses comme ça. Le mari maintenant commençait à surveiller Léa, à regarder un peu, mais son attitude, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'elle a vu à moni ou bien à monité? Il a attendu, mais Léa n'avait pas réagi. Léa a sali le col là, c'est comme si Amoni est loco mon côté. Nous avons quand même Léa, Amoni bi mona mona. Oyo azala ki cousine ya mobali nae. Nous avons quand même un secret mon sousou. Aza cousine était mais aza vraiment bolingo ya mobali nae. Mais Léa n'a jamais soupçonné l'homme qu'ils vivaient ensemble. Oyo bazo vivre ensemble, Léa n'avait jamais soupçonné puisque mobali moko makambu malamu. Mobali moko oyo basi nyonso ba revaka. Malamu pona bana, malamu pona Léa, malamu pona famille à Léa, ezanga ika alibala. Mais elle ne calculait même pas ça, tellement elle était heureuse avec cet homme-là. Abande ko calculait même makambu wana te, mais Léa était choquée. Elle a fait semblant. Elle a continué de s'occuper de son mari, comme d'habitude, la nuit, le jour, tout ça. Le copain, il a attendu seulement, le mari, il a attendu quelques jours seulement. Il a vu que Léa, elle était comme d'habitude, elle souriait, elle était bien, tout ça. Elle a dit oui, elle n'a pas compris. Alors, elle a appelé Léa. Léa, ma belle, tu sais, tu vois, la cousine, tout ça que je te parle. Léa dit, oui, la cousine, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Non, elle n'a rien, mais comme je t'ai dit, ma grande soeur Nanga, en tout cas, ça l'est fort. Mes grandes soeurs, ils ont fait le fort, ils ont trouvé quelqu'un.
pour le voyage de Léa, ils m'ont dit seulement d'acheter les billets. Comme j'avais quelque chose, donc j'ai déjà envoyé, c'est pour cela que je te préviens, ma cousine va venir bientôt. Léa dit, ah bon? Comment ça, kakaboye, n'aibike bo solo la, kakaboye, oui, mais Léa, au moins, kaka, comme je t'avais dit, c'est moi qui va prendre soin, je m'occupe bien de, j'aime beaucoup ma cousine, et toute la famille, même mes deux grandes sœurs, et ils sont mariés, mais on a voulu que la cousine puisse venir vivre ici en Europe, à sa fille, mon koye, à kasa, kasa, la cousine, à sa fille, à bien, aya osa la vine en Europe. Bango bazui mouto à sali ma camion sur moi, ils m'ont demandé d'acheter les billets. Alors j'ai acheté, dans quelques jours, elle va venir, tu vas voir, elle est très gentille. Mon andet au solo la ka, vous allez bien, on a des enfants pour l'instant, bah ok, des crèches, yon osa la. Elle va nous aider pour les enfants, de les accompagner à la crèche, et puis faire un peu. En tout cas, tu vas être soulagé, toi-même, tu vas voir. Léa, le cœur d'une femme. Léa a tout gardé, tout ce qu'elle avait vu, même vous, vous ne savez pas. Elle a gardé dans son cœur. Léa a refusé de réagir, Léa a refusé de dire non. Elle est restée intacte. Ayo kike, oyo na moni bi mona mona, azoya sur place nanda kunanga. La personne que je vis sur le Facebook de mon mari, le message est tout. Et ce voyage était déjà proclamé, Léa avait tout vu. T'inquiète, elle ne sait rien, c'est seulement que tu es ma cousine, tu vas arriver là, elle va rien faire, après on va faire notre vie, de toute façon, je l'aime pas, elle a fait presser d'avoir ses deux enfants, moi je ne voulais pas, mais je t'attends, on va faire notre vie. Tout ça, Léa, elle a vu. Alors la cousine est arrivée. Elle est arrivée, Léa, toujours le cœur d'une femme. Léa a gardé tout ça dans son cœur. La cousine aussi, elle savait que là où je suis arrivée, mon mari, mon copain, il n'est pas cellulé avec une femme. La mère de ses enfants, il vit avec quelqu'un. Mais la cousine, elle a accepté, soi-disant la cousine, elle a accepté d'arriver jusque là. Léa a fait semblant, le cœur d'une femme, a bombi kaka la motema. Léa yambi se meki belle sœur, elle a accueilli sa belle sœur, la cousine de son mari. Le mari était content, bah, ça yambi, ça y est, Léa, toi-même tu vas voir, on est soulagé. Oh ma cousine, t'es toujours belle, oh t'es toujours comme je t'avais laissé, comme je vois dans les photos, tu vois, ma cousine que je t'ai dit. Celle qui est la plus belle, là, t'as vu ma cousine? La plus belle, Léa, réagit même un tout petit peu. Non. Léa, oui, c'est vrai, elle est belle, ta cousine. Oh, c'est vrai, oui. La cousine est restée une semaine. Léa travaille. Elle laisse la cousine. Le mari aussi travaille. Le mari sort avant Léa. Léa sort après puisqu'elle a le temps de préparer les enfants pour les accompagner à la crèche. Après, elle laisse la cousine à la maison. Léa n'a rien soupçonné de son mari. Son mari n'a pas changé, même s'il y a la cousine. La cousine, soi-disant, le comportement du mari de Léa, ça n'a pas changé. Il était toujours gentil, il faisait des câlins à Léa, aux enfants, et montrait à sa cousine, celle-ci, c'est ma femme. Je l'aime beaucoup, la mère de mes enfants. Mais Léa savait la vérité dans son cœur. Elle savait que celle-là, elle n'est pas une cousine. Léa n'a jamais dit à ses parents, n'a jamais dit à ses copines, ni a demandé à ce mari-là, mais qu'est-ce que moi j'ai vu? Est-ce que c'est la même cousine? Oui, puisque ce sont de mêmes photos. C'est elle qui est venue dans des conversations. Elle avait tout vu, mais Léa a tout gardé pour elle, le cœur d'une femme. Une semaine, Léa ne soupçonnait rien. Léa venait rentrer, la cousine faisait à manger, Léa mangeait, tout l'ambiance était bien. Léa s'est dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Normalement, je dois voir quand même quelque chose. Comment ça, je ne vois pas? Alors Léa lobi non, anti kaboyetin. Léa a sombi ma caméra, elle a acheté des caméras. Elle a mis dans leur chambre. A tché ma caméra, moi qu'on a chambre la bango, l'autre dans la chambre des enfants, l'autre au salon. A
elle a bien caché là les caméras quand le mari n'était pas là. Elle a bien acheté, installé ma caméra bien. Le binga fona koma ya likambo yo. Tinasuka, moi je vais arriver jusqu'à la fin. Je vais savoir ce que moi j'avais vu là sur Facebook. Comment comme ça, je vois pas, le mari n'a pas changé, il est père de mes enfants, il n'a pas changé, il est toujours gentil avec moi. Il se réveille la nuit, il rentre tout de suite, il vient tout de suite me rejoindre, tout se passe bien. Mais est-ce que c'est vraiment elle, la cousine, là où je ne comprends pas? Alors, moi je vais placer les caméras. Léa a placé les trois caméras. Elle continue à aller dans son travail. Les jours où Léa, elle a vu les vidéos, c'est les jours où elle avait dit oui. Bazo Sakana Vomanangai, oui, Léa, elle avait tout vu. Le mari avait déjà demandé, il avait pris si c'est deux jours au travail, si c'est quoi, il faisait semblant d'aller au travail. Il était tout en contact avec la cousine. Est-ce qu'à Bimi déjà? Est-ce qu'à Kei déjà? Les maris étaient toujours dans les zinga zinga de la maison. Quand Léa partait au travail, les maris retournaient à la maison. Ils ne partaient pas au travail. Alors là, ils faisaient leur vie normale, vous comprenez. Léa avait tout vu. Na salon, la cousine, comment elle servait le mari, comment elle regardait la télé. Donc, il savait déjà que non. Comme Léa, c'est Léa qui rentrait tôt. Le mari, il part. A qui moi, mon cœur, elle est Léa. Et Léa croyait, c'est comme si non, il n'y a personne. La cousine fait semblant tout. Après, le mari revient. Or, que le mari ne travaillait plus. Il avait pris des jours comme sa princesse était arrivée. Alors, il avait bien organisé le cœur d'une femme, le cœur de l'homme. Et le mari, et Léa. Et la cousine, bango misato bazo joué na cache-cache bondoki. Léa a tout vu. Le cœur de Léa, c'est quoi? Et vimbi Léa lobi. Mais non, ce n'est pas possible. Mais non, ce n'est pas cet homme qui est gentil avec moi, le père de mes enfants. Ce n'est pas lui que je vois là, tout ce qu'il fait avec. Non, ce n'est pas possible. Non, cette fille. Alors Léa, aboya ki koye bisa mokili, aboya ki pe koye bisa nzambe, aboya ki pe koye bisa mobalo nani, Léa a gardé tout pour elle dans son cœur. Alors elle avait pris une décision. Demandez-moi quelle décision. Le sako ba papa ba maman, le sako à toute la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous avons besoin que notre famille puisse grandir. Aimez les vidéos si possible, s'il vous plaît, puisque vous regardez, vous aimez les vidéos, vous partagez si possible. Alors, quelle décision Léa doit-il? Léa s'est dit, moi, je ne dois pas laisser comme ça. Comme elle joue avec moi, moi, je vais aussi le montrer que non, Naza, ce qui peut n'dengue, ni n'ité, bako, moi, si, oyo. Comme elle est venue chez moi faire tout ça. Elle savait. Elle a accepté de venir ici. Elle verra, elle va voir. Léa, comme d'habitude le matin, elle a fait comme elle fait d'habitude. Le mari aussi, pareil, il était déjà parti. Léa a préparé les enfants, tout ça. La cousine était réveillée déjà. Elle a dit à la cousine, aujourd'hui, je vais commencer. Il avait déjà prévenu à son mari, aujourd'hui, je vais commencer un peu tard. Puisque Léa commence le travail par rapport aux horaires de ses enfants. Léa, elle a fini, elle a ramené les enfants à la crèche. À chaque fois, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, le mari appelle la cousine. À qui déjà? À Kenaï, ça fait combien de temps? Le mari attend 30 minutes, une heure de temps. Après, il revient à la maison pour faire leur vie avec la cousine, soi-disant la cousine. Alors, Léa dit à la cousine, je pars et je reviens. Après, je vais repartir au travail. Léa a calculé qui est déjà dans mon tour. A saliba calcul. Elle est partie, elle est sortie. Après, elle est revenue. Elle a trouvé la cousine dormait dans la chambre des enfants. Léa ke kozwa mai. Ya moto a tokisi. Léa 8 ans ko tokisa mai ya moto. Alongoli nanu ba kamera oyatsaki na ndako.
Atoki si maya moto. Amemi maya moto, elle a pris de l'eau chaude, bouillante. Elle est allée verser, jeter sur la cousine, soi-disant la cousine de son mari, sa rivale. Elle a jeté comme ça tout, comme ça la cousine est dormée à bois qu'elle y est maïna zoto. Donc la cousine, elle a commencé à crier, Léa Zuka, la portable et la cousine. Elle a enlevé la clé sur la porte. Elle est partie, elle a fermé la clé, la porte après. Léa est sortie comme si rien n'était. Atiki cousine n'a ko bunda nana pas ya moto. Elle était brûlée, la cousine, le visage et le cou partout. Léa est partie. Les copains, le mari de Léa, comme d'habitude, elle a commencé à appeler puisque la cousine l'avait dit. Elle va partir, elle est, je crois, quand elle était, elle faisait semblant de dormir, elle avait signalé à son mari, à Kei, elle est venue, elle va repartir. Et là, le mari a attendu, je ne sais pas si elle avait calculé combien de temps, elle a commencé à appeler la cousine. Ah, bandi ko benga cousine, bandi ko benga, moutazo répondait. Ah, bengi na fixe, elle a commencé à appeler sur le fixe. Personne ne répondait, elle a dit, mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, Léa avait dit qu'elle va commencer un peu tard. Mais, comme d'habitude, quand on fait nos choses, je sais que là, c'est trop. Est-ce qu'elle n'est pas partie en parlant? Elle a appelé Léa. Léa, ça va? T'es où? Léa a dit, moi, je suis déjà au travail. Mais elle a dit, ce n'est pas possible. Léa, ça a moussa là. Mais elle, pourquoi elle ne répond pas? Il y a un petit souci. Mais le mari était déjà le nzinga nzinga à côté. Il attendait seulement que Léa, qui est de moi, battant, a zonga ne ba mesa la moussa. Le mari, quand il a commencé à appeler tout ça là, il a vu que non, c'est pas normal, elle ne réagit pas. Alors, je retourne à la maison vite. Il est parti. Il a sonné, personne n'ouvrait. Comme il avait ses clés, ah, que nos fungos la bouillaient. Il a vu la cousine, soi-disant la cousine, par terre, de l'eau, brûlée de partout. Comme elle essayait de se gratter un peu, d'enlever ma possession longue, elle avait perdu connaissance. Elle a appelé les pompiers tout de suite. Il avait essayé de réanimer la cousine ne réagissait pas. Elle respirait, mais elle ne réagissait pas. Elle était inconsciente. Comme d'habitude en Europe, c'est vite fait. Elle a dit non, il y a un problème ici. Le tonton, il a senti tout de suite que Oyo, Léa et Akinanda Koulikabo Salami, puisqu'il sait ce qu'il jouait. Génie n'a pas d'ailleurs joué. Il a tout de suite compris que ça doit être Léa. Ce n'est pas possible. Alors, ma pompier, ils sont venus. Léa est partie. La cousine est partie aux urgences à l'hôpital. Tout de suite à côté de coma. Ils ont commencé à faire des enquêtes. Oui, ils ont trouvé que c'était Léa. Il y avait les caméras de l'immeuble. Les caméras de l'escalier, de palier, tout ça. Vraiment, c'était confirmé que Léa et le mari aussi avaient dit, moi, je soupçonne la mère de mes enfants. Alors, c'est quoi l'histoire? Léa est allée à quelle prison? La copine, Oyazika qui est longue, dans les hôpitaux, ils ont fait des analyses, comme d'habitude, quand quelqu'un vient, salib analyse. Ils ont trouvé que, à part Kozika, comment elle était brûlée, la copine, elle était malade. Elle était atteinte de VIH. À part Kozika, la cousine qui était venue, elle était déjà malade. Ils ont appelé les maris. C'est qui? Elle est qui pour vous? Comme l'histoire de Léa, tout ça, avec tout ce qu'elle avait fait, ça a sorti des problèmes, ma famille, ma yébaki, tout ça là. Il était obligé de dire que non. Oui, l'histoire, je ne sais pas comment elle a su,
puisqu'ils ont demandé à Léa. Léa, elle avait fini par avouer, j'avais vu, j'ai des preuves et tout ça là. Il m'a trompé et là, je ne l'ai pas supporté. C'est pour cela que j'avais fait ça. Les maris, à part l'histoire de Léa, Léa est partie en prison. Les enfants, les deux enfants de 2 ans et de 1 an, ils sont restés avec le mari. Le mari, il avait la cousine, soi-disant la cousine, à l'hôpital. Elle était restée quelques jours dans le coma. Après, Dieu avait fait grâce, comme il est le Dieu d'amour. Il avait fait grâce après quelques jours à Bimakina coma. Elle avait repris connaissance. Elle a repris connaissance. Elle était brûlée de partout. Mais elle était aussi malade. Donc, Ayaki na libala, Ayaki déjà yakobeba. Les tontons l'avaient vu là-bas à Kinshasa. À Sepelinae. À Monananote. À Ndimiye. À Bomalibala. Les tontons, il a accepté de détruire les couples, le foyer qu'ils avaient construit avec Léa, puisqu'avec Léa, ça se passait bien. Malgré que tout ça se passait bien, mais il avait toujours confiance à la personne qu'elle n'avait jamais connue, juste sur le réseau social. Avant, je crois, de connaître Léa, il connaissait déjà la fille, mais ils ne se sont jamais vus comme ça. Il a fait tout pour faire venir la fille. La fille est venue, mais elle était malade. Notre tonton, dans des caméras, vous avez compris, il vivait déjà avec cette fille-là, cette cousine-là. Donc, vous allez comprendre que et Léa, qui avait dit que son mari n'a pas changé, il était intact, et donc il vivait normal comme un couple vit. Léa est allée en prison, malade. Les tontons, malades. La cousine, brûlée de partout, malade. Tous les trois contaminés. Léa a laissé 2 enfants. Le papa a kende l'hôpital mabe, a kende na bana na ba crèche mabe, a zonga na ndako mabe. Il a fini par laisser les enfants dans la famille de Léa, chez le parent de Léa. Souci à maladie. Souci à perdre l'Ibala, il a perdu le couple qu'il avait fondé avec Léa et vivait dans l'harmonie, dans l'ambiance. Tout ça se passait très bien. Il a gâché pour l'inconnu, pour l'inconnu. Même si tu avais le fiancé ou la copine là-bas, tu n'avais pas encore croisé Léa. Tu as croisé Léa, tu as vu que les choses, ça se passe bien, vous êtes à l'harmonie, tout se passe bien. La personne que tu vois, elle t'a donné 2 enfants, tonton. Pourquoi tu n'es pas resté qu'avec Léa? Pourquoi tu es parti toujours chercher la fille là que tu n'as jamais connue, juste via les réseaux sociaux? Tu as fait connaissance. Au PC, confiance que les cas, oh, ils ont un andako. Oh, ils ont supporté, oh, ils ont beauté, ils ont bana. Tu as refusé de l'épouser, de l'honorer, tu attendais l'autre. Et l'autre est venu, elle était malade. Et l'autre est venu. Est-ce que tu vas encore l'aimer malgré qu'elle est malade? Puisqu'elle n'est plus la personne que tu aimais. Ceux qui aiment que comment, l'apparence. La fille, la cousine a perdu beauté, nion, ce longi, nion, ce zayako zika. Souki, nion, son, elle n'a plus de cheveux, longwe. A komi kotambo, elle commence à se promener comme une musulmane, mais elle n'est pas musulmane. Elle met toujours de voile. Elle met toujours des lunettes. Et ça ne va plus avec le tonton. Léa toujours en prison. Les enfants sont partis chez les parents. Vous voyez le monde là. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Les cœurs d'une femme. Léa, quand tu avais vu ce message-là, si tu avais réagi, parlé tout de suite. Dans un couple, il faut dialoguer. Quand tu vois quelque chose, pourquoi tu gardes
pour après faire du mal. Regarde maintenant tes enfants de 2 ans, 1 an. Bakateli osoki combien d'années à prison. Tes enfants, ils vont grandir sans toi. Toi-même, tu vas en prison. Tu es victime pour aucun peu aux huit maladies. Ton mari t'a contaminé. La personne qui est venue, tu sais que au tikalaki na mboka, t'as fait n'importe quoi, t'as fait des bêtises, mais tu fais semblant de venir. Oyena nous t'es venu d'abord détruire un couple. Oyena no komeli est pas mon soi-disant cousine, mais dans ton cœur, tu sais que elle n'est pas je ne suis pas la cousine de son mari, je suis sa rivale. Mbandanaye, mais tu acceptes d'arriver. Léa savait, elle pouvait aussi t'empoisonner. Toi aussi, tu pouvais aussi empoisonner Léa. Moukilien. Voilà les réalités de la vie. Voilà l'histoire de Léa, le cœur d'une femme. Aujourd'hui, Léa, en prison. La cousine, ça ne va plus avec le tonton. Le tonton regrette Léa Naé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Famille, bébé, couple, voilà l'histoire de Léa. On va tous tirer des leçons. La vie est compliquée. Il ne faut pas vouloir faire du mal aux gens. Tu tombes sur quelqu'un de bien. Pourquoi ne pas rester avec lui ou avec elle? Ma Facebook, ma mabala, oh, tu as toujours envie, na mona ki kuna, na mona ki te, oh, na mona ki aya, o kangi simbongo, kosio, tout ça, mais tu sais que la personne que je vis avec lui, avec elle, tout va bien. Pourquoi chercher tout ça là? Si tu n'avais pas fait appeler cette fille, la cousine là, tu allais être en bonne santé. Et vos enfants, et la vie continue, vous étiez bénis, le travail, tout, vous étiez bien. Regarde maintenant, tonton, t'as tout gâché. À cause y a biloula, bilinga, linga, na ba réseaux sociaux. Ba réseaux sociaux, oh, eza na makamuto, ke babande konanga. Léa, bibomba, bomba, motema, le cœur d'une femme, tu fais que caché, regarde. T'as explosé, mais. Tu es parti en prison. Comme j'avais dit tout à l'heure, si tu avais expliqué à ton mari, je vis ça, je ne vais pas, si cette fille vient ici, ça ne va pas aller, je ne vais pas. Peut-être aussi il allait changer d'avis, il allait comprendre que non, ah, Léa a tout compris, donc ce n'est pas la peine. Tu viens, va là-bas de l'autre côté, où Dieu allait permettre que tu puisses vraiment ne pas vivre, ou demander à ta belle famille là-bas, comme il disait, que tes belles sœurs. Tu vis avec quelqu'un, mais tu n'es pas en contact avec tes belles-sœurs. Tu ne parles même pas avec tes belles-sœurs. Tu ne parles même pas avec ta belle-famille pour demander, mais la cousine, Azoya et Zandengenine, non. Les deux grandes-sœurs ne savaient même pas. Elles n'étaient même pas au courant de cette histoire-là. Si tu les avais appelées pour demander, mais la cousine vient, est-ce que comment ça se passe? Ils allaient te dire que non, nous, on n'a pas une cousine qui vient. Non. T'allais comprendre des choses et peut-être t'allais voir avec le père de tes enfants, ça allait s'arranger. Maintenant, c'est trop tard. Voilà l'histoire de Léa, l'équerre d'une femme. C'est dur, c'est triste, mais ce sont les réalités de la vie. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes déjà à la fin. Vraiment, je vous dis un grand merci et à la prochaine. Bye bye. Et le saco. Le saco. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.